Alors nous lançons une opération qui s'appelle Dessine-moi Toulouse, destinée au privé, au secteur privé, promoteurs, investisseurs, architectes. Nous allons sélectionner un certain nombre de fonciers stratégiques ou présentant un certain nombre de particularités, de difficultés qui nous amènent à la conclusion qu'il vaut mieux que l'opération soit conduite par le secteur privé plutôt que par la collectivité elle-même pour transformer ces fonciers. Les transformer avec des projets à caractère urbain, à caractère économique. On va bien sûr demander des projets innovants de tous les points de vue. Nous lançons l'opération à la mi-mai. Nous attendrons le mois d'octobre pour recevoir les candidatures. Il y aura ensuite plusieurs étapes de sélection de projets. Et puis, dans un an, au MIPIM 2019, nous présenterons les lauréats de cette procédure qui est importante parce que c'est un signe de confiance que nous envoyons envers les partenaires privés. Ce que nous croyons aujourd'hui, c'est que pour faire la ville de demain, il faut une vision. La vision, elle est portée par les élus, c'est une vision publique d'intérêt général, mais il faut la partager. Et pour construire la ville, il faut à la fois le public et le privé. Et donc, c'est un signe de confiance envers l'entreprise.